Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, on a eu envie de vous parler d'un livre à avoir absolument une boîte à outils pour toutes les personnes qui sont au contact des enfants, les familles, les personnes qui encadrent les enfants. Vous allez voir, c'est un contenu passionnant qu'on va découvrir avec Laurent sebac Bonjour Laurent. Bonjour Annalou. Vous êtes juge et vous êtes vice-président du tribunal de Toulon. Ça. Vous êtes venu avec votre co-auteur, Mélina douchi Bonjour. Bonjour Annalou. Vous enseignez à l'université de Toulon le droit et vous avez coécrit ensemble ce guide des procédures relatives aux mineurs. Euh, ça fait un peu peur comme ça si vous n'êtes pas habitué au droit, mais vous allez voir que ce livre, il a été écrit pour nous, pour vous. C'est une sorte de boîte à outils euh, qui nous concerne tous. Euh, Mélina, vous nous expliquez un petit peu la démarche de ce guide, ce qu'on y trouve Alors c'est un ouvrage que nous avons réalisé, il s'agit de la deuxième édition que nous avons réalisé avec Laurent, euh, à destination de, des familles des professionnels de santé, des établissements scolaires, des praticiens de l'enfance, pour, par thématique, euh, trouver des solutions aux questions euh, pratiques qui se posent en présence d'un enfant. Par exemple, vous avez un enfant qui fait l'objet euh, d'une sortie scolaire. Quelles sont les responsabilités Quelles sont les conditions Vous trouverez des solutions. Vous avez besoin d'une allocation euh, d'enfants handicapés. Qui saisir Comment c'est l'idée de retrouver des petites fiches. Il y en a 90 dans cet ouvrage, 90 fiches qui concernent à peu près toutes les réalités on peut, à, auxquelles on peut être confronté. Euh, Laurent, euh, l'idée c'est pas de lire ce livre de A à Z, c'est d'aller piocher dedans. Exactement. C'est pour ça qu'il se veut très pratique. Euh, en réalité, il peut répondre à des besoins strictement ponctuels. Alors évidemment, euh, le professionnel qui a besoin de, de, de tout maîtriser sur, sur son métier euh, va y trouver euh, toutes les toutes les réponses qu'ils cherchent, mais euh, en cas d'urgence de, à devoir résoudre un problème, euh, ça permet de se reporter à la bonne fiche et d'avoir tout de suite une réponse pragmatique, efficace. Sur, euh... Alors, je donne un exemple. Euh, on, on a beaucoup d'échanges avec euh, les pédopsychiatres, notamment le corps médical, les psychologues, euh, avec une actualité criante, notamment devant le Conseil d'État qui a euh, ces derniers jours... Euh, on va dire, soulager l'ensemble des, des professionnels médicaux. Vous, sur... vous pouvez rappeler pourquoi Oui, alors en fait, un pédopsychiatre avait été, une pédopsychiatre a été poursuivie par son conseil de l'ordre au motif qu'elle avait violé le secret médical en, en portant à la connaissance des institutions judiciaires euh, des, des faits relatifs à des, à des violences commises sur des mineurs, et je crois d'ailleurs dans un contexte de, de violences sexuelles. Euh, elle a été poursuivie et, et donc elle a porté l'affaire devant le Conseil d'État qui a dit qu'en l'espèce, il euh, n'y avait pas lieu à, à maintenir cette sanction disciplinaire. Et ça fait rejaillir pour tous ces professionnels la question de savoir s'ils doivent respecter le secret médical, est-ce qu'ils doivent faire privilégier euh, la connaissance aux autorités pour protéger les enfants euh, qui peuvent être euh, patients dans leur, dans leur cabinet. Et donc, euh, au-delà de, 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 de savoir où se placent leurs devoirs respectifs, Comment est-ce qu'on fait prévaloir le code de procédure pénale, par exemple, qui impose de signaler les faits en question Est-ce qu'on fait prévaloir le secret médical voilà, Il y a un certain nombre de réponses à ces, ces questions-là qui sont éminemment pratiques et qui, qui, qui jalonnent le quotidien des, des professionnels. Et, et, et aussi de savoir, par exemple, si on porte le signalement devant les autorités judiciaires, et eh comment on le réalise, ce qu'on met dedans, ce qu'on peut se permettre de dire ou pas. Voilà, autant de réponses pratiques à des, à des, des sujets euh, euh, éminemment importants. C'est un ouvrage qui est, qui est publié aux éditions LexisNexis et c'est un, un éditeur juridique, donc ça s'adresse évidemment à des juristes, mais c'est vrai, pas seulement. Euh, on pense notamment à tous les établissements qui vont accueillir des mineurs, des enfants pendant l'été. Euh, il y a là-dedans de la ressource pour savoir comment ça se passe, quels sont les droits, quelles sont les responsabilités, comment on fait. Euh, c'est vrai que l'idée, c'est de retrouver, trouver de la ressource très pratique. Vous avez fait attention à ce que le langage utilisé soit très accessible. Oui, alors l'exemple pris des, des vacances scolaires est, est très pertinent puisque... Il y a une fiche sur le mineur accueilli en dehors du domicile parental. Quelles sont les conditions d'accueil Quelle est la responsabilité de l'association À partir de quel nombre d'enfants doit-on remplir certaines conditions Les démarches Les liens utiles pour pouvoir faire ces déclarations auprès du service de la jeunesse et des sports Donc Vous avez ces, tous ces éléments pratiques, effectivement. Alors ensuite, ça cet ouvrage ne s'adresse pas seulement aux mineurs, parce que quand on dit mineur... Mais un mineur, qu'est-ce que c'est C'est un enfant de moins de 18 ans. En réalité, l'enfance est beaucoup plus grand. Ça va au-delà. Quand on réfléchit sur les projets euh, sur l'enfance, ça va au-delà de l'âge de 18 ans. Ça peut aller à 20 ans, 21 ans. Euh, la réponse que vous, les réponses que vous trouverez dans cet ouvrage sont des réponses qui concernent les familles notamment en cas de séparation, de recomposition familiale, comment est-ce que je vais faire pour modifier la contribution à l'éducation de l'enfant, comment est-ce que je vais pouvoir maintenir les relations personnelles avec des tiers, avec des grands-parents, euh, comment faire pour éviter un déplacement illicite de l'enfant à l'étranger lorsque le couple est, est, est international avec des éléments d'extranéité, père, de père et mère de deux pays ou de père de deux pays. Et, euh, et qu'il y en a un qui part en vacances. Comment réaliser, éviter cette situation lorsque l'autre ne le veut pas, les interdictions de sortir du territoire Etc., etc. Donc, c'est vraiment pratique, mais ce n'est pas seulement pour les mineurs en danger, c'est pour la vie des familles. La vie des familles. D'ailleurs, dans le livre, on retrouve une ressource intéressante. Vous parliez quand on doit justement revoir la contribution alimentaire pour, pour la garde d'un enfant. En fait, on n'est pas obligé de se présenter devant monsieur le juge ou madame le juge des affaires familiales. Il y a plein de procédures qui permettent de faciliter la vie des familles dans ce, ce genre de questions. Oui, parce que, vous voyez, Analou, quand on, on a une difficulté par rapport à un enfant, et surtout quand on est séparé, tout de suite, on, a, on se dit, bon, avocat juge, on va arbitrer. Voilà, tout de suite, on, on va directement au conflit. Peut-être qu'en amont, les parents, en tant que parents, indépendamment de leur séparation conjugale, peuvent faire passer l'intérêt de l'enfant avant et réfléchir sur le moyen de trouver une solution concertée. Qu'il fera ensuite homologuer par le juge. Et, et là, il suffit qu'ils rédigent euh, une convention, un accord entre eux, et qu'ils le soumettent au juge sans avoir nécessairement besoin d'aller à une audience. Le juge va avoir la demande et ce sera homologué. Ça suppose, de pré... Ça suppose une démarche de prévention plutôt que de protection. Ça, Protégé qui... par la prévention. Et dans cet ouvrage, vous avez des, des modalités pratiques à mettre en œuvre. Ce sont des, des éléments qui reviennent souvent quand on reçoit des avocats, des juges à, sur ce plateau. L'idée que euh, le tribunal doit être une ressource de, de service public euh, qui est au service des gens, mais il faut aussi réfléchir à ne pas trop les engorger parce que ça, ça dépasse vite. Là, on a un sujet, les enfants, les mineurs, euh, qui est hautement politique. On le voit, c'est une matière qui visiblement évolue beaucoup puisque vous rééditez ce guide tous les deux ans et il y a de quoi faire. Rien que cette année, il y a des nouveautés qui sont apparues. Et on a vu aussi pendant la campagne présidentielle que le statut du mineur, l'âge à partir duquel on n'est plus mineur, ça a fait l'objet aussi de, de débats. Vous le ressentez au tribunal tout ça Oui, eh évidemment, ce sont des, des questions qu'on ressent au tribunal euh, euh, parce que. Euh, euh, il y a des sujets sur lesquels on est obligé d'apprécier un peu la personnalité de l'enfant, sa maturité, son développement. d'ailleurs, c'est une originalité de la france, faut le savoir. la plupart des pays européens ont fait le choix, par exemple, en matière pénale, d'un seuil de responsabilité qui est figé, c'est-à-dire en gros, à partir de tel âge, on peut être condamné devant une juridiction pénale pour les enfants. Euh, et en deçà de cet âge-là, euh, c'est pas possible. La, la France, elle a une perception, à mon avis, beaucoup plus originale et, et plus soucieuse du développement même de l'enfant, qui consiste à dire on apprécie son discernement. Euh, parce que, par exemple, pour donner un titre d'exemple, on n'a pas forcément le même discernement quand on est poursuivi à 12 ou 13 ans pour avoir éventuellement commis une agression sexuelle euh, que pour euh, un vol dans un supermarché. Voilà. Donc euh, euh, on met le juge là face à une situation qui consiste, évidemment, avec d'autres praticiens, euh, tels que des médecins, des psychiatres, quand c'est nécessaire, d'apprécier la capacité de l'enfant à discerner les choses. Et donc, euh, ce sont des questions du, du quotidien, euh, devant lesquelles on se sent parfois un peu désarmé, mais en tout cas, qui donnent une, une prérogative au juge qui est extrêmement importante et sur laquelle, à mon sens, il ne faut pas, il ne faut pas revenir. L'idée, euh, en tout cas, les récents euh, jugements rendus, c'est d'essayer de protéger le mineur et d'avoir de, des sanctions qui sont plutôt dans le sens d'une intégration dans la société. Euh, on va plutôt aller vers euh, des établissements un peu alternatifs à la prison. Est-ce que c'est une tendance qui s'affirme, qui est nouvelle s... Racontez-nous un peu comment donc, vous vivez. Non seulement c'est une tendance, mais en réalité, c'est imposé par les textes, puisque. Euh, le, le droit international l'impose et la France euh, reste dans cette euh, perspective. Euh, le nouveau code de justice pénale des mineurs, euh, qui, qui est l'héritier d'un texte qui est aujourd'hui abrogé, en fait, euh, est, est intégralement construit autour du principe de ce qu'on appelle la primauté de l'éducatif. C'est-à-dire que euh, c'est l'idée que le mineur n'est pas un, un, un délinquant comme un autre. Euh, on n'apprécie pas la commission des faits qu'il a éventuellement commis de la même manière qu'un adulte, parce qu'un adulte, c'est quelqu'un de construit. Et un mineur, c'est quelqu'un qui est en devenir, qui construit sa personnalité au quotidien, et pour lequel, d'ailleurs, la, la, la perception et l'évolution du temps est quelque chose de, de, de très, très bref. Donc, il faut, euh, il faut, dans un premier temps, privilégier des réponses qui soient strictement éducatives, qui permettent aussi, d'ailleurs, d'intégrer les familles qui, parfois, sont en difficulté. Euh, et la réponse qu'on va donner euh, à ce mineur qui a commis un acte de délinquance, assez souvent, et dans un premier temps, c'est de venir lui porter assistance ainsi qu'à sa famille pour essayer de comprendre ce qui a dysfonctionné ce qui explique ce passage à l'acte et faire en sorte de pouvoir prévenir le suivant voilà Donc ça n'arrive plus exactement ça n'arrive plus alors un sujet forcément politique ça nous concerne tous ça concerne toutes les familles nos enfants sont des biens précieux pour chacun d'entre nous il euh, y a des sujets épineux comme la fessée euh, dans cet ouvrage qui a fait débat en france non, nous n'avons pas envisagé euh, ce, ce point particulier parce qu'en réalité, en droit, ne pose pas de difficulté. La fessée posera problème si ça devient une violence à l'égard de l'enfant, et c'est un problème de seuil de la violence. Et ce seuil de la violence est laissé à l'appréciation du magistrat ou euh, des autorités auxquelles on va dénoncer une information préoccupante. Donc, il n'y a pas euh, aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a pas de seuil fixé. De, de la violence qui s'imposerait au juge, c'est lui qui l'apprécie, ou aux services sociaux. Toutefois, vous expliquez que la maltraitance, on a commencé à poser des jalons pour euh, bah, la nommer, indiquer qu'on est face à un cas de maltraitance. Quels sont les indicateurs, par exemple Alors là, c'est vraiment quelque chose qui est tout nouveau, puisque bon, ça ne figu figurera pas dans l'ouvrage, puisque c'est une loi du 7 février 2022. Il y a tout un ensemble de lois qui ont été adoptées euh, depuis 2000 en matière de protection de, des enfants et de l'enfance. Et cette loi du 7 février 2002 a inséré au Code de l'action sociale et des familles un article 119 qui définit la, la, la maltraitance à partir des circonstances de vulnérabilité. Qu'est-ce qui rend vulnérable l'enfant C'est un ensemble de circonstances qui vont être visées par ce texte et qui permettent de définir s'il y a maltraitance ou non. Ça bouge, hein ça bouge beaucoup ce domaine-là euh, du droit. Donc, ce guide, euh, qui est une édition 2022-2023, vous voyez qu'il sera mis à jour, euh, donc c'est tous les deux ans. Euh, vous le retrouvez en ligne, bien sûr, aux éditions, euh, c'est LexisNexis, que je ne dise pas de bêtises, donc en ligne. Euh, vous le trouvez aussi à l'Université de Toulon, à la bibliothèque, vous pouvez l'emprunter. Euh, ça vous permet d'aller piocher de la ressource dedans. Euh, merci en tout cas d'avoir pris le temps de composer cette boîte à outils précieuse pour nous tous. Euh, vous êtes les bienvenus sur ce plateau pour parler de nos droits. Vous savez que ça nous intéresse énormément. Et moi, je vous dis donc à bientôt sur Info 83. Bientôt, merci Annalou. Merci Annalou. À, à bientôt. Anna. Merci.